écoute, j'ai été vraiment surpris que dans le Grey's Anatomy, il y ait Pascal qui ait dit à Juliette qu'elle avait couché avec Marco. C'est incroyable, Marco, quoi. En plus, dans la régie des stocks. On aura fait 50. Hier, j'ai voulu faire un truc de débile. Faire une vidéo, tu sais. Je me suis baisé le dos. Un instant. Tu vois, jusque-là, ça se passe bien. Après, mon dos, il fait des cambrures non anatomiques, tu vois. C'était pour proposer un nouveau mouvement au CrossFit Games, tu vois. J'ai entendu dire qu'on allait faire du pistol country. Je peux pas le faire. Hein. Allez, vas-y. Comme ça. Moi, tu sais, un fan de Ricky Gerhardt, le bon vieux Rick. Bah, il a pas gagné, mais... Finalement, on peut se charger maintenant. Mais grave. Il faut le faire, mais avant. Il faut prendre sa sanction. Et il faut revenir parce que tout le monde a le droit à la rédemption. Donc Orlan et moi, on a dit qu'on allait se mettre des trucs de ouf dans le huc. Mais voilà. Si Ricky Gerhardt a le droit à la rédemption, nous aussi, on a le droit. La rédemption à géométrie variable. Ça. Est-ce que Greg Glassman, il a le droit à une deuxième chance? Moi, c'est la question que j'ai envie de te poser à toi derrière ton téléphone. Parce que la rédemption à géométrie variable en 2022, on la voit quand même. Hein. Eh, on vous voit. Hein. Sinon, t'es en train de faire des mignonneries? Il y a quelqu'un qui a amené un bouquet de fleurs pour Karine, donc je le mets dans l'eau. Les fleurs, c'est important. Offrez-en, bientôt, il n'y en aura plus. Sucer des bovins. Sucer des bovins, ce qui donne? Sucer des bovins. Un apport en? En testostérone de bovin, peut-être. Je pense que dans le sperme de bovin, il doit y avoir des... Par contre, à vos risques et périls au niveau de la bouche, quoi. Je veux pas être responsable de traumas cervicaux ou... Il faut sucer des bovins jusqu'à ce qu'ils t'envoient la purée, c'est ça le principe? Bah évidemment, si tu suces un bovin juste pour sucer le bovin, il n'y a pas d'intérêt. Akram, from Belgium, is doing a very good job. It's important to tell it to him. Ok, stop. Vous faites tous du très bon travail. Donc en fait, je vais pas vous faire perdre du temps là-dessus, ça m'a l'air à peu près acquis. Mais avant la deuxième phase, j'ai besoin que vous pensiez collectif pendant 2 secondes. Donc j'ai besoin que Anto, c'est ça, se mette là, les bras en croix, face contre terre, s'il te plaît. Pendant 5 bonnes minutes. S'il vous plaît, c'est parti. Kelly Starrett, en 2014, est venue en France à l'initiative de CrossFit Louvre, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir permis ce truc-là, parce que depuis, il n'est pas revenu. Donc c'était une chance pour nous de pouvoir le rencontrer, je veux dire. Et il a développé la théorie que l'important c'est de smasher des muscles et que le moyen le plus rapide de le faire c'était ça. À chaque fois que je montre ça, il y a toujours un connard qui vient m'expliquer que ce que je fais c'est dégradant, humiliant, parce que le mec à travers ça, le seul truc qu'il voit c'est un mec qui se fait écraser. Donc enlevez un peu vos biais et voyez juste qu'en fait en 5 minutes on va avoir l'efficacité d'un massage transversal profond qu'on aurait besoin de sûrement plusieurs sessions de 1 heure avec les mains pour obtenir. Si toi aussi derrière ton téléphone ou ton ordinateur tu as une front rack position de merde parce que tes triceps sont trop raides et tes avant-bras sont trop raides, accepte de te faire marcher dessus. Un snatch pull, un squat snatch, pas de format particulier, 20-25 minutes pour trouver une barre lourde du jour. Sur une petite blessure. Tu nous racontes? Petite déchirure du ligament patellaire. Et là, je suis à 8 mois post-opératoire. On reprend doucement, doucement mais sûrement. Ouais, première séance de squat snatch depuis 8 mois.
On dépassera pas les 60 kilos aujourd'hui. Putain, je suis en remise en question. Je vais lui niquer sa mère. À la barre ? Ouais. Là, là ? Bon, maître Storage, va falloir qu'on discute. Raté 105, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. T'aimes bien m'afficher là? Bah aujourd'hui c'est des fails. Me montrer dans le mal. Aujourd'hui c'est des fails. Qu'est-ce que fail? C'est pas des fails ça? Tu sais ce que je fais là? Vas-y, raconte. C'est pédagogique. Ah, vas-y. C'est-à-dire que, comme dans tous nos vlogs, c'est quand même assez propre et tu vois, je me dis qu'il faut montrer la réalité aux gens. Et failer, ça arrive. Donc j'ai failé deux barres exprès, tranquille. Ah, donc c'est des fails. Ah, non, non. Ah, c'est pas des oui, fails. Oui, c'est un fail volontaire, conscientisé. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, d'accord. Et maintenant, tu vas nous montrer autre chose ou pas? C'est à des fins pédagogiques. C'est même une manipulation mentale de moi-même. C'est-à-dire que j'habitue mon cerveau à savourer les victoires. Pour ça, il faut qu'il y ait des échecs. Tu vois? Alors, il y a des échecs que je choisis pas, genre la rouste que j'ai pris aux affiliés de battle. Et il y a des fails que je choisis volontairement. C'est-à-dire que tu les paramètres? Je paramètre des fails. D'accord. Paramètre des échecs. Pour parsemer sur mon chemin d'évolution la courbe de progression, tu vois. Okay. Donc comme ça fonctionne pas, quand je drop ma barre, je vais faire du touch and go. Aujourd'hui tu fais un fail mais pas 15. Ah mais j'ai dit que je faisais tout. Qu'est-ce que je fais moi? Exactement. Oui. Alors les cours enfants c'est le mercredi à 15h. À 15h. Tous les mercredis à 15h. Ah ok. Bonne journée, au revoir. Qui a dit que les hommes savaient pas faire plusieurs choses à la fois? Il va peut-être falloir que j'arrête la technique pédagogique. Parce que paramétrer des fails, ça coûte cher quand même. En énergie. Ah ok. 610 des familles. Cadeau. Si t'es perdu, et l'air cool. Ah oh, si on peut en fait. Easy. Comment ça a déchiré? Comment ça rentre les gueules? Un mois et demi les chaussures, t'es. Seuls les sachants sacheurs savent. La sacheur. Le sachoir. Le sachoir de. Bon. Je peux faire deux fails. Mais pas 15. Mais pas 15. Bon, allez. Faire 3 fails, mais pas 15. Ah! Titus Snatch, 117 kilos en écoutant l'intro trop. J'ai 50 balles dans mon sac, je te donne comme ça. Il va vraiment le faire. Parole. Il va vraiment le faire. Une seule tentative. Une seule. Well shot. Un tir à l'autre. La toto. Toto rigolo. Ah ok.
Blague à part, je sais pas comment le montage sera fait, mais j'ai fail deux barres à 105 qui en réalité sont à peine plus hautes que 80% de mon max. C'était des erreurs techniques qui ont fait que j'ai raté ma barre. Et je ne tente pas des barres lourdes à chacun de mes entraînements. J'ai fait 3 fails barres lourdes, mais je fais pas ça à tous mes entraînements. Sinon, c'était pas des fails qui étaient dus à la fatigue. C'était des fails dus à une erreur de lockout, une erreur de placement. Donc à la limite, ça vous pouvez les refaire. C'est juste, faut pas insister, faut être honnête. Quand vous l'avez pas, ça va insister comme des mots. Et si vous l'avez pas sur trop, c'est sûr que vous l'avez. Les fails à 105, c'était des erreurs techniques que j'ai corrigées. Manque de discipline dans mon mouvement et les barres à 117, ben aujourd'hui j'avais pas 117. C'est la rue qui décide. La rue c'est rasoir. Viens putain. Viens. Moi tu sais. Tu sais facile. Parce que tu te rends pas compte d'avoir pas assez large que ça. Mon défaut moi c'est le pacing donc. Je vais essayer de faire que des séries unbroken. En portant pas trop fort. Plutôt que de partir comme une brute comme d'habitude et faire le popcorn. Et toi, stratégie ? Unbroken, en y allant en pèse entre les transitions. Voilà. Snatch ? Ouais. Wall ball push-up. Allez les gars. Moi si je vous en mets deux, je vous explique.
qu'un truc, vous allez plus marcher du tout. Vous allez les crampes, vous allez les stop. C'est sûr que ça marche. La différence, Oh, pas de plus, hein.